C'est le moment de partir tester la bêta de Battle Crush, le nouveau Battle Royale en top-down développé par Nexon. N'oublions pas qu'ils comptent également sortir le nouveau jeu en fin d'année, Pawn and Liberty, le MMORPG, qu'on va également tester. Je l'attends depuis assez longtemps. Depuis, je crois, un peu plus d'un an. Enfin bref, c'est la petite parenthèse. On part tester le Battle Royale. J'ai déjà fait le tuto. On verra ce que ça va donner. On est sur la version PC. Le jeu est en bêta-test sur PC et mobile. Et vous pouvez demander justement un accès à la bêta. Ok, on va tester ça. C'est la première fois que je teste, je découvre. J'ai fait le tuto. Dans le tuto, il nous donne justement celui-là. Enfin, la meuf, où on teste l'archère. On a testé l'archère. On a découvert le jeu avec l'archère. Là, on va voir avec Hermès ce que ça va donner. Bon, c'est un Battle Royale un peu atypique parce qu'ils ont mélangé plusieurs styles de jeu. Pour ceux qui ont déjà joué à Brawl Stars, ça part du même principe. Je vous parle en termes de compétences, de placement et tout. Là, pour ceux qui ont joué du coup à MHA, mais on va mélanger MHA pour le système de Battle Royale ici. Par contre, le système de zone n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant. Dans tout cas, vous allez le découvrir avec moi. Et vraiment, le jeu est plaisant. Le jeu est plaisant. Après, je ne sais pas si sur le long terme, le jeu a un avenir. Mais le jeu a déjà un bon potentiel pour une version PC et mobile. Ok. Bon, je découvre le gameplay de ce perso. Est-ce que j'ai la qualité déjà au max ou pas? Setting. Non, c'est bon. Ok. J'ai encore du mal à ma... J'ai plus de d'énergie pour escape. Faire ça. On revient. Ok. Par contre, ils sont deux sur moi. Le perso m'a l'air pas mal. Est-ce que je... Non, ça va, je suis encore dans la zone. Vous allez voir comment elle va... Voilà. Voilà. Vous venez de voir sur la map en haut. Ça se défragmentise avec des tremblements de terre. Et on a des coffres un peu partout dans la map qui nous permettent d'avoir un peu plus de mobilité, de tankiness, du shield, etc. etc. Bon. Continue. On 3 sur moi là. Ok. Là, c'était bien joué. J'ai encore du mal à utiliser le tourbillon. On va faire ça.
Est-ce qu'il va m'avoir? Vite, 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 vite. Ok. On revient petit à petit. On se met juste dans la zone. Ça. On peut revive, il y a un système de revive à ce que je vois. Bah, je crois que j'ai pas le temps. Ok, c'est bon, je suis dans la zone. On va juste récupérer ça. Ok, let's go. Là, on n'est pas en ranked 1, du coup, je pense pas que... Enfin, c'est la première journée de la bêta. Là, on est sur, même sur la première heure de la bêta au moment où je tourne la vidéo. C'est un peu dur, c'est un peu dur. J'ai l'ulti et tout, mais... sais pas si je pourrais. Oh, il a récupéré. Dommage. Dommage. Il a eu 5 kills. Ok. Bon voilà, c'était le petit test du jeu. En vrai, il est pas mal. Il va nous revive? Non, pas possible. Non. Je pense qu'on va live hein. Ou faut attendre à la fin. Ouais, il va crever. Ok. Ok. On regarde un peu comment fonctionnent les autres personnages. Ils sont tous les deux hors zone. Il va crever. Non, c'est un truc de ouf cette chance. 2 contre 1. Un contre un. Ben GG à lui hein. Pas mal hein. Pas mal le jeu. Bon après c'est dommage que j'avais pas les coéquipiers qu'il fallait. Mais bon. Je pense que ça sera tout. Surtout pour cette première découverte du jeu Battle Crush qui est pas mal. Je vous dis ciao et à la prochaine les gars.